Salut tout le monde. Salut. Ceci est mon premier swap. Ah, oui. C'est quoi un swap? Je savais que tu allais dire ça. Un swap, c'est un échange de colis. C'est-à-dire qu'on on se donne plus ou moins un montant avec quelqu'un, on se dit plus ou moins le thème qu'on veut, et alors on échange un colis. Mais avec qui l'ai-je fait? Frédéric. Oui. Là, ici, en ce moment, vous voyez sa chaîne qui est en train de défiler, enfin, défiler un petit extrait de vidéo. Vous voyez qu'elle fait souvent des vidéos avec Evan, Gaëtan et Michael. Qui est Michael? Son homme. Oui, c'est son mari. Donc voilà, ils font des vidéos tous les quatre. Plus souvent Gaëtan, Evan et Frédéric. Frédéric fait aussi des jeux vidéo. Oh. Ouais, elle fait aussi des trucs sur Minecraft. Oh. Que j'ai déjà vu. Bon voilà, je vous invite bien sûr à cliquer sur cette image pour aller voir un peu ce que fait Michael, j'allais dire. Ce que fait Frédéric. Voici le colis. Oh, il est beau. Je ne vais pas le déballer tellement il est beau. Je n'aime pas dire ça, mais c'est juste qu'il est beau. Donc le thème, bien sûr, c'était... Attention, Laura se munit de ciseaux, elle me fait peur. Le thème, c'était la dégustation. Voilà. On adore faire tous les deux des vidéos où on mange. Donc voilà. Je lui ai envoyé un colis qui, normalement, sera en ligne le jour où vous verrez cette vidéo. Donc... dans la barre d'infos, vous verrez aussi le lien. Je mettrai aussi le lien de la dite vidéo où elle déballe mon colis. On y va, parce que là, j'en tape. Ok, et là, je coupe dessus. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Oh, ça marche pas. C'est bon, ça marche pas. Ça marche pas. C'est trop dur, ça va pas. Voilà, Laura, tu peux revenir. Laissez-vous surprendre. Ah, c'est beau. Je vais expliquer comme une pisse. Du papier bulle. Elle a pris un beau papier emballage. Et la pluie. Pour Laura. Attends, on va d'abord. Commence par ça. Alors, voilà. Déjà et Laura. Déjà et Laura, ça peut être lu devant la caméra. Avec des cœurs partout. Je vais vous lire ça. Salut Déjà et Laura. Je suis trop contente de vous envoyer ce colis qui, j'espère, vous plaira. J'en suis certaine. J'ai essayé d'acheter des produits typiques alsaciens. Ouh, je n'ai jamais goûté de produits alsaciens. Mais je n'ai pas pu vous envoyer de la choucroute ou des knacks à cause de la chaîne du froid. Oh, dommage, moi qui voulais manger de la choucroute. On rigole. J'espère que vous ne serez pas déçus, mais non. J'ai hâte de voir vos réactions, ça va arriver. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir rencontré, entre parenthèses bien sûr, car vous êtes des filles vraiment super. Je suis sûre que si on était voisines, oh si seulement, on s'entendrait super bien et on rigolerait à coup sûr. Tu m'étonnes, mais je crois qu'on se quitterait plus. Je vous embrasse très fort, les filles, ainsi qu'Evan et Gaëtan. Gros bisous, Frédéric. Merci. Ah, le premier qu'elle voit, c'est... Pouloua. 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 Vas-y, prends. Pouloua. Je la laisse déballer parce que c'est pour elle. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il est trop mignon. Oh, c'est une cigogne. Oh. Et tu sais pourquoi une cigogne? Parce que c'est alsacien. Voilà, c'est l'emblème de l'Alsace. Oh, elle est jolie. Trop, trop belle. Cœur d'Alsace. Montre bien comment elle est jolie. Elle est hyper belle. Elle est belle. C'est joli. Ah oui, oui. T'as jamais eu de cigogne en peluche? Non. Ah bah voilà, c'est juste ça. Oh, on va manger. Oh là 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 là, ça sent pas d'épices, j'en suis sûre. Oh oui. Mon dieu. Alors, ce sont des... Désolée pour le bruit. Fort Wenger. Oh non, c'est peut-être la marque. C'est du pain d'épices. Je pense que c'est la marque. Oh, j'aime pas les pains d'épices. C'est la cannelle. Le pain d'épices, ça a un goût de cannelle. T'aimes bien la cannelle? Oh, bon sang. Donc, assortiment de petits fours au panier. Une étoile. Tu veux une étoile? D'accord, je vais prendre une étoile. Une jolie étoile. Et moi, je vais prendre... Moi, je vais prendre autre chose, comme ça, on goûte tout. Ouais. Je vais prendre un carré, comme ça. Oh, ça a l'air bon. Oh, ça sent bon. C'est tendre, c'est bon. Ah, c'est bon. Non,
Alors, t'aimes bien le pâté ouais, ça va. Il n'est pas trop fort, il est super bon. Oh, bien. Alors, bien sûr, je vais pas noter, hein, parce que c'est pas des produits japonais ou des choses comme ça. Vous verrez tout de suite si j'aime ou pas. Voilà. Là, vous voyez que j'aime. Voilà. Ça, ça va faire mon petit bonheur. Okay. Oh, merde. Alors, attends, je pense que c'est un bocal. Non. C'est souvent un bocal, c'est lourd comme ça. Je pense qu'il y a une confiture ou. Ouais, c'est emballé dans du papier bulle. Moi, je crois que tu déballes le loin. C'est emballé dans du papier bulle. Oh, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Réfort. Ça, je pense qu'on n'aimera pas. On va goûter, hein, parce que j'ai dit que je goûterais tout. Hein. Mais t'as bien fait, parce que ça nous fait découvrir des choses aussi. Du réfort doux d'Alsace. Donc, c'est pour rehausser les toasts apéritifs, légumes à croquer et poissons fumés. C'est pareil que c'est très spécial les réforts. Déjà rien qu'à l'odeur, c'est très spécial. On va prendre un petit bout de pain. Ah. Rien qu'à l'ouverture, c'est trop bien bizarre. Regardez. Oh, ça sent bon, je pense pas que ça sentait comme ça. Ça sent la moutarde en fait. Oh. Ah, ça sent fort. Oh. Mais ça sent pas mauvais, je pensais pas que ça sentait comme ça. Voilà. Quoi? Bon appétit. Allez, hop, 1, 2, 3. Attends. Mais vas-y. C'est comme de la moutarde en fait. Ouais. Je pensais pas que ça avait un goût de moutarde, mais le réfort. Mais c'est à base de quoi ça? C'est à base de réfort. Vous savez quoi? C'est des racines en fait, le réfort. Je savais pas. Mais ça a vraiment un goût de moutarde. Bah, bonne surprise. Très très bonne surprise. Ouais. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu le truc. Je dis, mon Dieu, on n'aimera pas. Et ben voilà, on a découvert quelque chose. Ouais. Super. C'est trop cool. C'est tout mou. Un mou? Oh! Ouh, oui, j'avais peur. Oh oui, elle m'a dit qu'elle ne mettait pas que des choses. Moi, j'y mangeais. Donc, c'est. Oh! Oh, c'est mignon tout plat! Ah, c'est le cœur. Oh, c'est super joli. Et c'est une cigogne en fait dessus. Ah, tu pourrais l'accrocher là-haut. Oui, bah ça sera. Ah, ouais, voilà. J'ai dans ma montée d'escalier, je mets toutes des choses comme ça, un petit peu anciennes. Voilà. Et bah, ça, ce sera dedans. Ça fera partie de ma déco de maison. Ah, ouais, elle est belle. Encore un bocal. Alors maintenant, je parie pour la confiture. Et du chocolat. Rhubarbe. La rhubarbe rose et banane. Confiture de rhubarbe rose. Oh, je goûterai. Vas-y, on goûte. Ben, si. Je la joue pas. Olé. Chocolat. Banane. C'est joli les petites choses qu'il faut. Oui, j'adore. Comme ça, t'as vu, pour mettre sur les. Ah, c'est joli. Hop. Confiture pour mademoiselle. Et confiture pour moi. Je vais m'en mettre partout. C'est pas grave. Go. Alors. Ah. Oh, je sens bien la banane. Ah oui. Moi, c'est la première fois que je mange une confiture où il y a de la banane dedans. Ça, c'est pour toi, en fait. Hein. Oh, ouais. Moi, j'aime bien, mais... Je mange tous les matins. Très, très bon. Et c'est de la marque Sophie Vincent. Je sens même pas la rhubarbe tellement je savoure la banane. Un gros sachet. Moi, je pense que c'est des pâtes. Ouais. Et des biscuits. C'est des pâtes. Ouais. Quel enthousiasme! Alors, c'est des pâtes alsaciennes, forcément, avec 7 frais au kilo, attention! Allez, on rigole pas avec ça. Bien sûr, on va pas goûter ça en direct. Non. Je suis persuadée que ça doit être délicieuse. Ouais. On adore les pâtes. Ouais. Ça, c'est vraiment un aliment qu'on aime beaucoup. Donc, avec plaisir, on va manger un bon plat de pâtes. Et avec la bonne sauce de papa. Ah! Ça, ça ressemble à du chocolat. On dirait une boîte avec ça, des genre frané. Oui. On va manger ça, je crois. Hein. C'est du chocolat? Non. Miel, on dirait. Oh non, c'est un kouglof. Je pense que j'ai jamais mangé un vrai kouglof. La bouche est toute grise. C'est ça, c'est un kouglof? Oui, c'est un kouglof au miel. Oh, oh oui. Oh, alléluia. Oh miel. Un kouglof, c'est un gâteau traditionnel alsacien et je pense que j'en ai jamais mangé des. Ah, regardez comme c'est mignon. Moi, je trouve ça trop beau. Alors, j'essuie mon couteau
Et on va se faire une petite tranche de couvre là. C'est dur. Mais il y a quelque chose dedans, c'est pas possible, je vais me casser. C'est normal ou... Je pensais pas que c'était si dur. C'est normal. Go. Ça sent pas d'épices. Ouais. Oh, c'est très compact. Mmh. C'est du pain d'épices. Là. Voici. Ça sent le pain d'épices. Mais très... très compact, très... Mais non. Tu vas pas manger tout en une fois. Non. C'est trop... C'est bon. Moi, j'adore le pain d'épices, donc ça me dérange pas du tout. C'est bon, ça va alors. Biscuit. Je crois pas. La cannelle. Oh, c'est des épices à vin chaud. Alors, il y a de la cannelle, forcément, il y a de l'anis étoilé et du clou de girofle. Ah, la horreur du clou de girofle. Oh, moi, j'aime bien, moi. Alors, ça, c'est pour faire du vin chaud. Enfin, je regarde la recette pour faire le vin chaud, je sais pas du tout comment on fait. Je suppose qu'on fait chauffer le vin et qu'on met ses épices dedans et qu'on laisse infuser. Ah, la cannelle, c'est beau, la cannelle. Et ça, c'est beau aussi. Tu vois, l'anis étoilé, ça ressemble à des étoiles. C'est quoi? Bah, c'est des épices. Hein? Ça se mange pas comme ça. On peut pas goûter. C'est ce que je voulais savoir. Très très bien, ça c'est vraiment chouette, c'est une bonne idée. Merci. Ouais. Alors le dernier. Des biscuits, dit-elle. Encore du pain d'épices. Oh, ça c'est le meilleur pain d'épices au monde. Oh mon dieu, avec le sucre autour. Alors ça, quand, on en fait de temps en temps par chez nous, mais c'est avec du chocolat glacé. Et moi je me rue là-dessus, parce que j'adore la période de Noël, parce qu'on en trouve qu'à Noël. Et je suppose que chez vous, on en trouve pas. Je crois un blanc et un rouge. Oh, mais d'abord un rouge. Donc, attends. Ah ben voilà, c'est la même marque que l'autre pain d'épices, Fort Wenger, assortiment de pain d'épices enrobé de sucre. Pour moi, c'est le meilleur. J'adore le pain d'épices enrobé de sucre. Et tu prends du blanc aussi. Ah, tu prends un blanc, ça, je passe. Merci. Un blanc, un rose pour mademoiselle. Et moi, je vais prendre un comme ça. Une étoile. Une étoile filante. À toi. Ah ouais. Moi, c'est deux étoiles. Go! Mmh. Oh. Ça, c'est le bonheur en bas. Non, mais ça, oui. Mmh. Oh, ça, c'est bon. Oh là là. Là, tu me combles. Hein. Vive l'Alsace! Vive les Alsaciens et vive les Alsaciennes! Pendant que Laura termine son pain d'épices rose, qui est aussi bon que l'autre. Ah oui, ah oui. Bah genre, je vais remercier bah, de tout mon cœur Frédéric. Ouais. Parce que franchement, voilà quoi. C'est trop chouette ce que tu nous as envoyé. Je suis super contente vraiment d'avoir découvert ton pays, pas ton pays, mais ta région. Et c'est génial. Je suis très contente d'avoir fait ce premier swap avec toi. Il faut savoir que j'en ferai peut-être d'autres. J'ai dit bien peut-être. Alors ne vous excitez pas en m'envoyant plein de mails et en m'envoyant plein de messages en me disant fais le prochain swap avec moi. Parce qu'en fait, voilà, je ne saurais pas. J'en ai un autre en préparation. Voilà, je vous le dis déjà, j'en ai un autre en préparation. Je ne vous dis pas avec qui. Je vous dis pas avec qui. Non, je vous le dirai après. Je sais, c'est Squeezie. Je rigole. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vous fais de très gros bisous, spécialement à Frédéric, Evan, Gaëtan et Michael, bien sûr. Et j'ai vraiment hâte aussi de voir là votre réaction en ouvrant mon colis. Oh oui, ouais. Il y a des chouettes trucs aussi. Hein. C'est bon, un truc. Allez.